Et je pense que là, maintenant, ouais, donc là, c'est le boss. D'accord. Donc il y a un boss à la fin du Zako Survival à chaque fois. Et là, nous allons affronter Hurlugon. Ah je me souviens de... Alors, je me souviens plus de la méthode pour le vaincre, il va falloir que je me rappelle au fur et à mesure. Ah si, je crois que j'ai une petite idée en fait. C'est vraiment un ennemi complètement ridicule. Ouais, il y a un Stinger. J'essaie de prendre les munitions assez rapidement. Voilà. Je suis en train de me poser une question. Ouais. Ils vont faire des portages de Metal Gear Solid sur 360, notamment. Est-ce que non, il y aura le... Non, il n'y aura pas le 2. Je pense pas que ce sera Substance. Ouais. Après... Ça aurait été vraiment amusant. Après, c'est possible, hein, mais... Non, il me semble que c'est les Japonais qui vont avoir... J'attends un petit peu, là. Je vais attendre qu'ils tirent. Mais ouais, non, je pense que, étant donné que ce sera Metal Gear Solid 2 plus Metal Gear Solid Cell 3 aussi qu'il y a. Ouais. Et l'autre, c'est un épisode que j'ai jamais fait. Déjà, il y a quand même 3 jeux, donc... Merde, ça pue, là, je vais me prendre un coup dans la gueule. Tu peux plus bouger, là? Ouais. Il a l'air assez chiant à affronter. Ouais, moi, si j'échoue, j'assisterai pas, je recommencerai pas. Hein. Ouais, ça prend du temps. Ça prend chaud. Oui aussi. Non. Donc là, en fait, faut que j'essaie de lui tirer sur les cibles au moment où. T'as pas beaucoup de temps d'ailleurs. Mais est-ce qu'il y a. Attends, il me semble. Mais non, je suis bête, il faut que j'utilise une autre arme à ce moment-là. Faut que j'utilise le sniper. Voilà. D'accord, il a cible sur les cibles. Et elle bouge en plus. Ah putain, mais c'est pas vrai. En fait, si vous bougez, mais si en plus mon curseur bouge... Ah oui, c'est dur quand même. Et une fois que tu lui tires dans la cible, t'as un temps, je veux dire, après il peut se reconstituer. Oui. Je vois pas du tout à quoi peut servir un bouquin dans une situation pareille. Donc là... dans le genou, par exemple. Hop. Sniper. Ah mince, la cible était plus dans le pied, je crois. Je me suis fait avoir. Ouais, elle est là. D'accord. Donc là, voilà. Ouais, enfin, ah oui, c'est dans la tête que c'était plus dur, peut-être. Je pense, ouais. Donc là, il va utiliser son truc. Esquivé. Voilà. Je me rends pas compte, quand on connaît la méthode, il est pas si dur que ça. Ouais, voilà. Bon, après, il faut savoir qu'il me reste qu'une ration, donc il faut quand même que je fasse assez gaffe. Pas que je fasse le doigt. Arrête de trembler. Arrête de trembler là. Pour la même façon de crier, monocorde. Ah. Il est un peu. Ça fait un peu un gros débile. Bon, en même temps, il a pas l'air très intelligent. Non, pas trop. Et oui, donc il faut savoir que par exemple, si je fais. T'as la même mission avec Snake. Oui. Et donc dans cette mission, c'est un peu la même chose hein, au niveau des ennemis. Oui. Sauf qu'à la fin, t'affrontes pas le même boss. D'accord. Contre, c'est aussi un garde géant, mais c'est un garde qui provient de Metal Gear Solid 1. D'accord. Et il n'y a pas du tout la même méthode pour le tuer. Il faut lui arracher la tête, pareil avec le Stinger. Ouais. Et ensuite, faut tirer dessus encore une fois au Stinger. Et en fait, il y a une espèce de cavité dans le fond. D'ailleurs, elle y est là aussi. D'accord. Il faut essayer de, en tirant dessus, si tu veux, de faire glisser la tête dans la cavité. Un peu comme dans un jeu de baby foot ou de flipper. D'accord. Et d'ailleurs, t'as le bruit du flipper quand tu réussis à la mettre dedans. On va se calmer. Grand con. Je pense qu'il va pas tarder à clamser là. Bon, ça m'aurait quand même pris 10 minutes. Par exemple, le Zako Survival. Hein. Et
Les échos survival sont plus longs. Ah merde, putain. Plus tu avances. Plus quand tu changes de personnage. C'est-à-dire celui de, par exemple, de skin est plus long. Non, ils sont pas spécialement plus longs, ils sont plus durs. Voilà, d'accord. C'est un peu la même durée, hein, sinon. Ah, c'est bon, normalement je l'ai tué là. Ouais, il est mort. Victoire. Le boss le plus ridicule, toute l'histoire du jeu vidéo. Non, peut-être pas, il doit y avoir. Peut-être pas le plus ridicule, il doit y avoir bien pire. Mais je pense qu'il fait partie des plus loufoques. Ouais. Voilà. Tu peux avoir un no-kill bonus ? Manifestement oui, mais à mon avis ça compte pas sur le Gurlugon bien sûr.